Avec nos invités cet après-midi, nous aborderons la délicate et sensible question du pardon. Si on tombe dans la haine, par rentrer dans leur jeu, c'est eux les vainqueurs. Le 24 novembre 1995, les parents de Vincent partent se promener avec leur chien. Le jeune adolescent de 12 ans ne le sait pas encore, mais il ne reverra jamais sa mère. Où on me dit que ma mère s'est fait renverser, mais que les pompiers sont avec elle, que c'est pas grave. Mais ma mère ne se réveillera pas. Vincent apprend par la presse que l'homme qui a tué sa mère était ivre et multirécidiviste. Une profonde haine monte alors en lui. Cet homme que je connais pas, il devient l'homme le plus important de ma vie. Parce qu'il a tué la femme la plus importante de ma vie. C'est un salaud. Pour moi, le pardon est pas possible. Marie-Cécile et Jean-Paul ont connu ce qu'il y a de pire pour des parents. Leur fils François a été assassiné. Ils sont allés au parc pour se faire à nouveau sexuel. Je suis passé tout près de la folie, je crois, là. Incompréhension, chagrin, colère, jusqu'à ce que Marie-Cécile et Jean-Paul décident de faire naître de ce drame une part d'humanité. 6 mois pour écrire la lettre, une lettre ouverte à ces 3 jeunes, essayer de comprendre ce qu'ils avaient fait. L'acte en lui-même est impardonnable. Après, la personne qui a commis l'acte peut-être être pardonnée. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Comment pardonner à ceux qui sont responsables de nos douleurs? Vincent a perdu sa maman à l'âge de 12 ans à cause d'un chauffard ivre, tandis que le fils de Marie-Cécile et Jean-Paul est décédé après une violente agression. Malgré les circonstances inacceptables des drames qu'ils ont vécus, comment chacun d'entre eux a trouvé la ressource de pardonner à celui qui leur a enlevé un être cher? Y a-t-il des étapes et des conditions particulières pour accorder son pardon? C'est ce qu'ils ont choisi de nous raconter aujourd'hui. Vincent, vous avez perdu votre maman. Dans quelles circonstances? Vous aviez 12 ans. J'avais 12 ans, ma mère avec mon père, tous les deux sont partis promener le chien et ont été renversés par un chauffard qui était multirécidiviste, alcoolisé, qui roulait trop vite. Vous êtes passé par quel sentiment ? J'ai commencé comme tout à chacun, peut-être par un brin de haine. La haine s'est transformée en colère et puis j'ai su transformer cette colère contre un individu en une colère contre une globalité, contre un comportement. J'ai décidé de lutter contre et peut-être malgré moi, j'ai réussi à faire que cet homme n'a plus occupé une place obsessionnelle dans ma vie. Et sans doute aujourd'hui, je serai prêt à discuter. Alors, peut-être que le pardon, c'est aussi l'indifférence. Voilà. Mmh. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Marie-Cécile et Jean-Paul, dans votre cas, vous avez perdu votre fils. Dans quelles circonstances ? Lors d'une agression à Reims. Il était agressé un vendredi soir, aux alentours de minuit, par trois jeunes. Skinhead. Des skinheads, oui. Mm-hmm. Il a été donc jeté dans le plan d'eau. Il n'a été découvert que le dimanche matin. Il n'était pas identifiable. Donc il y a eu un appel à témoins sur les journaux. Et c'est notre fille aînée qui est allée le reconnaître le mardi. Donc on a appris sa mort le mardi soir. Et donc vous avez traversé beaucoup, beaucoup d'émotions, on va le voir. Oui. Et ce que vous avez fait qui est particulier, c'est que vous avez fait le choix d'écrire à ces agresseurs. Et notamment, vous avez communiqué par écrit avec l'un d'entre eux. Oui, enfin, on a mis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un cheminement jusqu'aux assises. Et au moment des assises, on s'est dit, bon, on n'a pas pu parler avec eux. C'était pas possible. Et on s'est dit, il faut qu'on essaye de leur dire des choses. On avait des choses à leur dire. Et voilà, il fallait trouver quelque chose pour le faire, quoi. Mmh. On ne savait pas trop quelle solution. Et on a mis plus de 6 mois à écrire ensemble. Voilà. Alors, vous nous direz effectivement ce que vous aviez à lui dire, ce qu'il vous a répondu, ce que ça vous a apporté et la raison pour laquelle vous êtes ici les uns et les autres. Pascal, vous êtes psychologue, merci d'être là. On va parler de cette difficulté effectivement parce que
parce que c'est compliqué de pardonner, c'est pas quelque chose de simple. Vincent, pour qu'on comprenne un peu ce qui vous est arrivé, est-ce qu'on peut parler de ce qui se passait avant, finalement, avant cette tragédie? Vous étiez quel genre d'enfant, quel genre de famille, quel genre de relation avec votre maman, votre papa? J'étais d'abord le fils d'un militaire et c'est pas totalement anodin. Mon père était quelqu'un qui était souvent absent et donc qui, quand il était là, incarnait l'ordre. Et à l'opposé, j'avais une mère qui m'avait eu sur le tard. J'étais le fils unique et j'avais une relation très très proche de ma mère, pour pas dire fusionnelle. Et puis vous avez naturellement cet accident qui arrive et qui quelque part vous retire le pilier central, quoi. Mmh. Voilà. Et du jour au lendemain, tout ce que vous avez, toute l'insouciance que vous aviez, s'évapore. Voilà. Vraiment, il y a une date qui marque un avant et un après, et vous découvrez que l'après sera jamais comme l'avant. Et donc, vous rentrez dans un processus également, quelque part, d'idéalisation de la vie d'avant. Vous refaites parfois l'histoire. Je pense qu'il y a des choses... Ma vie n'était pas forcément plus dorée que celle des autres, mais vous idéalisez ce schéma-là et vous devez reconstruire. Parce que oui, la vie continue. Moi, j'avais 12 ans, hein, donc la vie était devant moi. Et c'est aussi le fait que mon père soit militaire, ça avait son importance dans la vie d'après. C'est que mon père étant militaire, il fallait être droit, il fallait tenir bon, il fallait garder la tête haute et il fallait avancer. Et vous disiez, il y a une date, il y a un avant et un après dans votre existence. Cette date, c'est... C'est le 24 novembre 95. Donc 95, les Français s'en souviennent parce que c'était les grèves. Oui, c'était le premier jour. Premier jour des grèves. Ma mère était d'ailleurs en stage professionnel à Mâcon. Devait rentrer tard le soir. Et puis, elle a décidé de rentrer, faute de train, en voiture avec des amis. Et puis, voilà, moi, je débarque à 12 ans du collège. Je vois ma mère qui était rentrée plus tôt. J'étais ravi. Et mes parents décident, avant de m'emmener au judo, d'aller promener le chien. Et puis, la promenade du chien dure 5, 10, 15, 20 minutes. Vous êtes seul à la maison? Moi, je suis seul, j'attends. Et alors, au début, pour être honnête, je suis plutôt content que ça traîne, parce que j'avais pas envie d'aller au judo. Et puis, l'angoisse monte. Il faisait nuit, je regardais au loin. Et d'un coup, mon père revient seul avec le chien. Et me dit... Et ma première question, c'est de dire, mais où est maman? Et là, il me regarde et me dit, ta mère arrive, je vais la rejoindre. Et là, il y avait un paradoxe terrible dans cette phrase. Et il laisse le chien, il part. Et là, mon réflexe, c'est de regarder par la fenêtre où il va, et je le vois parler avec la voisine, sans entendre ce qu'il se dit, mais en lui faisant signe de se taire. Et là, je ne peux pas vous expliquer. J'ai une bouffée d'angoisse. Dans la tête de cet enfant de 12 ans, qu'est-ce que vous comprenez? On me cache quelque chose, et on me cache quelque chose de grave. Il n'y a pas de raison que mon père soit revenu, il n'y a pas de raison que le chien soit revenu, il n'y a pas de raison que ma mère soit plus là, soit pas là. Là, je vais voir la voisine et je lui demande ce qui se passe. Et au début, elle me dit rien. Et puis, devant ma panique, elle me dit que ma mère s'est fait renverser, mais que les pompiers sont avec elle, que c'est pas grave. Et puis, vous avez 12 ans, vous accrochez à ce qui peut vous sauver face à ça, face à cette angoisse. Et moi, ça va être le mot renverser, de manière très stupide. Pour moi, renverser, c'est pas grave. Écraser, c'est plus sérieux. Bon. Donc ma mère n'a été que renversée, je me résigne à aller au judo. Là, tout le monde essaye de me réconforter. Et quand je rentre du judo, le soir, je ne vais pas chez mon père, je vais chez mes voisins. Ça, c'est le vendredi, où on me dit que ma mère est à l'hôpital, qu'on s'occupe d'elle et que ce n'est pas grave. Et bizarrement, le lendemain, je vais au collège. L'après-midi, mes voisins m'occupent comme ils peuvent parce qu'il ne faut pas croiser quiconque. Dans le quartier qui sait, et je vais être mis dans cette bulle de protection jusqu'au dimanche matin. Et le dimanche matin, mon père vient me chercher pour m'annoncer qu'on va aller chez notre médecin traitant qui va m'expliquer comment va ma mère. Et à ce moment-là, vous savez, moi, au fond, vous savez que ce qu'on va vous dire, c'est ce que vous redoutez. Je pense que j'ai pas le souvenir durant cette journée du samedi d'avoir posé beaucoup de questions. Parce que j'avais pas envie d'avoir la réponse.
Et rien ne colle. Voilà. On vous dit que votre mère est à l'hôpital, vous allez chez le médecin traitant. Vous y allez avec le voisin, la voisine, votre père. Et vous voyez le médecin traitant qui ouvre son cabinet à 8h du matin, un dimanche. Et là, quand je le vois arriver, en rigolant, je lui dis « Docteur, on dirait que vous allez nous annoncer la mort de quelqu'un. » Vous dites cette phrase à 12 ans ? Ouais. Et là, dans son bureau, il me dit « Qu'est-ce que tu sais de l'accident ?» Et là, assez revêche, je lui dis « Mais rien. » Ma voisine me reprend en me disant « Si, enfin, tu sais que ta mère a été renversée. » Je lui dis « Oui, mais je sais rien de plus. » Et là, il ne va pas prononcer un seul moment le mot de mort. Il va simplement me dire que ma mère ne se réveillera pas. Et là, c'est quand souvent on dit que le monde se dérobe sous vos pieds, c'est ça. Vous avez 12 ans, votre mère qui était le centre de votre univers ne reviendra plus. Et honnêtement, je regarde mon père en me disant, mais comment je vais faire pour vivre avec lui, quoi. Comment je vais faire ? Et puis, je m'effondre. Hein. Et en sortant du cabinet, je vois mon père totalement désemparé. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il est face aux mêmes questions. C'est-à-dire, comment je vais faire avec lui ? Il se dit, comment je vais faire avec lui ? Et face à mes larmes, mon père me prend dans ses bras et me dit, il ne faut pas pleurer, il faut être fort. Et c'est une phrase qui va me conditionner durant des années. C'est souris et serre les dents. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, cette journée du dimanche est un peu folle, quoi, parce qu'on est 3 jours après l'accident, je viens d'apprendre que ma mère est morte, et je me retrouve à 11h à la messe, parce que j'étais dans une démarche particulière, hein, je préparais mon baptême. Donc, je me retrouve à la messe, où là, mais alors, tout prend une dimension surnaturelle, c'est-à-dire que je me retrouve dans une atmosphère où on va me dire que Dieu est amour, qu'il faut s'aimer, qu'il faut pardonner, et là, je me dis que tout ça, c'est du pipeau. Et donc, cette messe-là, je la vis très mal. Je la vis très mal parce que c'est de l'antithèse de tout ce qu'on a pu m'inculquer et de tout ce que je peux croire à ce moment-là. Et puis, la journée de dimanche se passe. Ça va être une journée dure parce que ça va être la journée des visites. Ça va aussi être le moment où je vais avoir au téléphone mes grands-parents maternels. Et ma grand-mère qui est à 500 km, et j'ai qu'une envie, c'est d'être avec elle. Et j'y suis pas. Et le lundi, c'est le retour à l'école, moi, le retour au collège. Où là, ça va être aussi, hein, mon père exige que j'aille en cours. Devant la stupéfaction, d'ailleurs, du principal, de mes profs. Et j'arrive au collège. Et circule sous le manteau le Parisien. Donc le journal. Ouais. Dont l'accident fait la une. Et je me souviens du titre, hein, « Ivre, il fauche de promeneur ». Et là, je lis et je découvre. Je découvre que mes parents ont croisé la route d'un mec qui avait 2 grammes d'alcool dans le sang, qu'il a pris la fuite, qu'il a été arrêté 2 heures plus tard à 60 km. Et là, vous imaginez. Vous imaginez la scène, vous imaginez. Et c'est quelque part la colère, ouais. La colère parce que. Peut-être parce que j'assumais pas la souffrance à ce moment-là. Cette souffrance va se transformer en colère contre ce type, dont je ne sais rien, si ce n'est qu'il avait bu. Et surtout, cette colère de se dire instantanément, mais ça aurait pu être évité, quoi. C'est pas la fatalité, c'est pas la maladie injuste, c'est pas... et tout comme vous, d'ailleurs, c'est le comportement. Et après, bah, je suis à la fois très entouré, à la fois seul au monde, et avec cette incapacité très rapide à mettre des mots sur les choses, à extérioriser. C'est-à-dire ? Bah parce que j'étais face à mon père qui, vu que je n'avais pas le droit de craquer, quand je craquais, c'était pour lui le constat d'un échec. Que si je craquais, c'est qu'il avait mal fait les choses. Donc pour ne pas le décevoir. Donc pour ne pas décevoir, je ne craquais pas. Et puis bah, ce qui devait arriver est arrivé. Hein. J'ai pas craqué à 14-15 ans comme les gamins ordinaires, j'ai craqué à 20 ans. Et là, ça a été le tsunami.
Alors, on va parler tout à l'heure, effectivement, voilà. Mais la place, finalement, de cette tragédie, est-ce qu'il y a une fixation, est-ce qu'il y a une obsession? Par exemple, il y a le modèle de la voiture dans les journaux. Oui, dans les journaux, on parle d'une Ford Escort. Et durant des mois, j'ai été obsédé par la Ford Escort. Dès qu'il y avait une Ford Escort, c'était potentiellement la voiture qui avait tué ma mère. Et puis surtout, cet homme que je ne connais pas, il devient l'homme le plus important de ma vie. Parce qu'il a tué la femme la plus importante de ma vie. Et cet homme, bah, je vais l'imaginer. J'ai appris qu'il était conducteur de poids lourd, qu'il avait déposé son camion quelques heures auparavant dans un entrepôt devant lequel on passait quasiment quotidiennement. Donc, ces camions qui portaient la marque d'une bière vont devenir pour moi le symbole même de ce type. Et donc il va y avoir des symboles qui vont se mettre en place. Donc une construction autour de ça. Une construction un peu fantasmagorique qui vont faire que cet homme va hanter ma vie. Mais vraiment, au quotidien, que ce soit par la voiture, par les camions verts, par cette rue. Je vais vraiment vivre hanté par lui. Et d'ailleurs, quand on me demande qu'est-ce que tu penses de ce type, c'est que mon premier mot, c'est un salaud. Voilà. Parce que pour moi, ça ne pouvait être qu'un salaud. On ne pouvait pas tuer ma mère avec une bagnole en étant bourré si on n'était pas un salaud en puissance. Mmh. Pascal, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de raconter Vincent. Il y a beaucoup de non-dits, manque des détails peut-être. Après. Le dit, ce qui est dit aussi, peut amener quand même à développer une obsession à l'égard d'un objet. Donc, c'est pas le non dit et le dit. Là, en somme, le problème, juste après ce type d'événement traumatique, c'est que quoi qu'on fasse, ça n'aura pas grand effet bénéfique, en fin de compte. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Hein. C'est-à-dire, bon, mon père, toujours dans cette logique de... mon père a perdu sa mère à 17 ans, donc... Je pense qu'il y a eu une volonté de protéger. Et dans la volonté de protéger, il y a notamment eu cette décision qui a eu et qui a encore des conséquences aujourd'hui, qui a été de m'empêcher d'aller aux obsèques. Voilà, donc on m'a clairement dit, tu n'iras pas aux obsèques. Et quelque part, il m'a manqué une chaîne du maillon. C'est-à-dire que, d'abord, on ne me dit pas « ma mère est morte », on m'a dit « ta mère ne se réveillera jamais ». Voilà. On ne m'emmène pas aux obsèques et je me retrouverai devant la tombe de ma mère qui est enterrée en Corrèze, donc à 500 km, que 2-3 mois plus tard. Et donc, les bases du deuil n'étaient pas posées. Mmh. Et aujourd'hui encore, je vis une messe d'obsèques, mais de qui que ce soit, avec un poids que je ressens encore. Je suis capable de me retrouver dans un état pas possible à une messe de funérailles de quelqu'un que je connais à peine. Mmh. En voulant créer une bulle de protection, en fait, c'est une bulle d'angoisse et d'incertitude qui a été créée autour de lui. Je pense qu'il aurait été bien, évidemment, de l'emmener aux obsèques, sauf s'il avait refusé d'y aller. Mais bon, ça part d'une bonne intention, comme on dit souvent. Vous voyez, le parent a fait avec ce qu'il a et... Il pense protéger, bien sûr qu'il pense protéger de cette façon-là. Quand Vincent disait « cet homme est devenu central dans ma vie », je vous ai vu tous les deux hocher la tête en même temps. Vous avez vécu la même chose, c'est-à-dire que d'un seul coup... Oui, mais comme une intrusion. On a dit assez rapidement, ils sont entrés dans notre vie, ces trois jeunes-là, à notre corps défendant, et ils y sont tout le temps, enfin je veux dire, ils y seront jusqu'à la fin, quoi. Alors dans votre cas, Marie-Cécile Jean-Paul, donc votre fils effectivement a subi une agression à caractère homophobe, et les Français en ont entendu parler beaucoup. À la télévision. Oui. On regarde un reportage de l'époque, et vous allez me dire comment c'est rentré dans votre vie, puisqu'on a eu le point de vue de l'enfant de 12 ans, là vous étiez deux adultes qui découvraient cette histoire. François Chenu, 30 ans, est mort assassiné dans ce parc car il était sans doute homosexuel. Ses agresseurs, trois garçons dont un mineur, ont tout avoué aujourd'hui. Le crime s'est déroulé une nuit de septembre dernier dans ce parc de Reims, rendez-vous notoire des homosexuels. Les trois assassins y sont venus chasser l'arabe ou le pédé selon leurs termes. Ils se déchaînent sur un homme seul. Et comme ils agissent en groupe, ils l'ont roué de coups. La personne est tombée par terre. Elle a même glissé dans l'eau. Ils l'ont ressorti. Et bien évidemment, la victime s'en est pris encore à eux en disant « Mais attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et là, de nouveau, le ton a monté. Et d'après leurs aveux, ils l'ont carrément achevé à coups de chaussures dans la figure.
Originaire de ce village près de Reims, les assassins baignaient dans une sous-culture néo-nazie, selon les enquêteurs. Les policiers enquêtent désormais sur l'entourage de ces jeunes d'extrême droite. Votre fils avait 30 ans, il n'habitait pas avec vous. Comment ça va rentrer dans votre vie, finalement ? C'est notre fille, donc... qui a lu donc l'appel à témoins sur le journal local. Donc, elle travaillait sur Charleville et donc elle est allée à Reims, au SRPJ. Et elle a reconnu François. Et elle est venue nous l'apprendre le mardi soir. Donc, on l'a appris 4 jours après, après son agression, quoi. Donc, c'était... vous avez utilisé, Vincent, le terme de tsunami. C'est vraiment un tsunami. Mais c'est l'écroulement, l'écroulement total. Oui. On a même zappé que notre fille était là. Oui, quand mais elle oui. nous l'a appris, aussitôt, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Alors, tout va se précipiter. C'est-à-dire qu'il y a quoi ? Il y a le SRPJ qui rentre en contact avec vous. Et là aussi, on va voir qu'il y a des informations qui arrivent de plus en plus et qui vont provoquer de l'imagination. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un déchaînement de la presse local, avec des gros titres, c'était homosexuel. L'homosexuel, voilà. Et donc, dès qu'on a appris le lendemain, on a une amie avocate, hein, donc on lui a demandé d'intervenir auprès des médias, voilà, pour cesser un peu tout ce remue-ménage, ça prenait des proportions. Donc vous devez gérer tout en même temps. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'informations. Oui. Est-ce que, du coup, on a parlé de finalement, vous souffrez à cause de comportements, parce que c'est ça, c'est qu'il y a la fatalité, la maladie, des choses comme ça. Puis là, d'un coup, c'est une tragédie à cause de comportements de 3 jeunes dont on dit qu'ils sont néo-nazis, etc. Est-ce que tout ça va avoir un effet sur vous ? C'est-à-dire qu'on n'a pas su tout de suite. Ils ont été arrêtés un mois après. Donc, pendant un mois, on ne savait pas. On ne savait pas ni les causes, ni les... Enfin, comment ça s'était produit, c'était le flou. Et on était très soulagés de l'arrestation. C'est quoi les sentiments qui dominent ? On a parlé tout à l'heure de haine ou de colère. Vous avez quel sentiment à ce moment-là ? Beaucoup de colère. Et moi, même de la haine, au départ. Par contre, bon, ce qu'on s'est dit très vite, c'est si on tombe dans la haine, on ne va pas s'en sortir. Vous avez pensé ça ? Vous vous rappelez penser ça ? Oui, d'emblée. Enfin, moi, j'ai pensé d'emblée. Je pense que si on fait ça, on va rentrer dans leur jeu. C'est eux les vainqueurs. Et puis, c'est nier tout ce qu'on a vécu jusque-là. Voilà, puisqu'on était dans des valeurs complètement à l'opposé, quoi. On a élevé nos enfants. Dans le militantisme, des valeurs humanistes, voilà. Le respect de l'autre, C'est un peu la base de notre vie, quoi. Est-ce que ces valeurs sont ébranlées à ce moment-là ? Ah, tout à fait. Ah oui. C'est une remise en cause. Tout est remis en cause. On s'est même demandé si on avait eu raison. D'élever nos enfants comme ça. Oui. Est-ce qu'on les a armés suffisamment ? Est-ce que, voilà, ça renvoie plein de choses en se disant, mais... Voilà. Et Pascal, à ce stade, donc, effectivement, il y a l'effroi de la nouvelle. Et puis là, on doit gérer tout, la perte, et puis jusqu'à ce que les valeurs fondamentales soient ébranlées. C'est-à-dire que à ce moment-là, Marie-Cécile et Jean-Paul, mais d'autres personnes dans leur cas, éprouvent des sentiments qui, d'abord, souvent, ou des sensations, ou des émotions qu'ils n'ont jamais éprouvées, et qu'en plus, ils désapprouvent parce qu'ils sont dans l'empathie du prochain, plutôt. Ils portent des valeurs différentes, donc ils s'en aperçoivent. Ils s'aperçoivent bien qu'ils ressentent cette haine, et ils ne savent pas quoi en faire, en fin de compte. Mais en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de la ressentir, c'est normal, à ce moment-là. Et elle a aussi une fonction, enfin, ça permet de ne pas s'écrouler complètement. C'est-à-dire que ça empêche, enfin, la colère en tout cas, empêche de tomber dans une extrême dépression, donc un écroulement, un effondrement, ça évite ça, dans un premier temps. Ça matche. Il y a aussi des gens qui restent dans la colère justement pour ne pas souffrir atrocement, en fin de compte. C'est comme si la colère les tenait debout. Comme si la colère pouvait remplacer le désespoir.
c'est pas que ça remplace, mais ça occupe une place qui empêche l'autre de se déployer, enfin, ou qui limite le désespoir. Et on va voir effectivement que Vincent, Jean-Paul et Marie-Cécile sont là pour parler du pardon et des étapes. On verra qu'il y a les procès qui vont arriver. Mais Jean-Paul a eu cet instinct, finalement, de se dire, il ne faut pas tomber dans la haine, comme si vous sentiez qu'il y avait un danger. C'est quoi le danger? Le danger, c'est de continuer à souffrir quand même suffisamment pour être dans le désespoir toute sa vie. D'ailleurs, on observe que les personnes qui n'arrivent pas ou qui ne choisissent pas une forme de pardon continuent à être extrêmement tourmentées à l'intérieur et souffrent encore plus, en tout cas dans le long terme. C'est une situation jamais vécue. Comment vous le saviez, ça, finalement? C'est par instinct que cette haine et cette colère, ça pouvait être quelque chose de dangereux? Tous les deux, on avait des professions qui... déjà, enfin, toi, tu étais aumônier au niveau de l'hôpital. Oui. Et puis moi, je suis éducateur, donc j'étais éducateur spécialisé sur un quartier, donc ce qu'on appelle éducateur de rue, quoi. Et tous les jours, j'étais en face de jeunes qui pouvaient très bien. Et ma crainte, c'était que ce soit des jeunes d'un quartier. Je me suis dit, comment je vais retourner travailler s'ils sont des jeunes d'un quartier qui ont fait ça, quoi. Alors, effectivement, qui a fait ça? Qu'est-ce que vous avez compris d'eux? Et pourquoi vous avez choisi d'écrire, effectivement, à ces agresseurs? Vincent, il y a eu le procès. Vous aviez 14 ans au moment du procès. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu cet homme, finalement, qui avait tué votre mère dans un accident de la route? Il était ivre. Quelle attitude est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Moi, déjà, le procès, c'était le moment que j'attendais. Comme je dis, c'était l'homme le plus important de ma vie. Il fallait que je le voie, il fallait que je l'identifie, il fallait que je le visualise. Et donc, j'ai attendu ce procès durant 2 ans. Et c'était un accident de la route. Donc, c'était une audience de correctionnel surchargée. Au milieu de 50 affaires, où il y avait des vols à la tire, des insultes à agents. Et là, c'est en plus, quelque part, au-delà de la colère, c'est de l'injustice, c'est de l'incompréhension. On ne va pas traiter ma mère au milieu de tout ça. Et puis, la justice étant ce qu'elle était à l'époque, avec mon père, on s'installe au fond de la salle. Et je dis à mon père, est-ce qu'il est là? Et mon père me dit, je ne peux pas te dire, je sais plus, moi, je ne peux pas le reconnaître. Et donc, je vais commencer à dévisager tous les hommes présents dans cette salle d'audience. Et puis, les affaires passent, ça traîne. Et puis, au bout de 2 heures, l'affaire est appelée. Et là, il se passe un truc hallucinant. C'est que l'homme qui se lève, c'était mon voisin de droite depuis 2 heures. C'était le premier sur qui j'avais posé mes yeux. Et le premier dont je m'étais dit, ça peut pas être lui, ça va être un mec bien. Et là, il se lève, il va à la barre, et il se passe quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire que la salle est pleine. Et il n'y a plus que lui, il n'y a plus que moi. Et je vais attendre... alors, ces explications... j'attends rien de la connaissance des faits, je sais comment ça s'est passé, donc peut-être à votre différence. Mais surtout, j'attendais des excuses. Voilà, parce que je préparais, j'avais durant ces 2 ans, j'avais aussi préparé mon baptême, j'avais rencontré un prêtre assez fabuleux à qui j'avais dit, mais je pourrais jamais lui pardonner. Et il m'avait dit, mais que les choses soient claires, le pardon, c'est quelque chose qu'on donne, mais c'est quelque chose qu'on donne à la condition qu'on nous l'ait demandé. Voilà. Et quelque part, c'est une conception qui, moi, m'arrangeait plus tôt. Voilà, donc quelque part, je viens à cette audience en me disant, il va au moins s'excuser. Et là, rien. Quand on lui demande, mais est-ce que vous avez pris contact avec la famille de cette femme? Non. Qu'est-ce que vous pensez, ce que vous avez fait? Écoutez, ce qui m'est arrivé, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il n'y a aucune remise en cause, il n'y a rien, il n'y a même pas un mot pour dire... il était père, hein, il avait des gamins de mon âge, que nenni. Et là, l'audience se déroule... sur les conseils de notre avocate, qui elle aussi a eu un rôle... On verra le rôle qu'elle a eu dans votre vie, par essentiel la suite, dans ma vie. Vous êtes avocat aujourd'hui. Au moment où son avocat va pour plaider, elle arrive, elle me prend par l'épaule, et dans un silence, il y avait un silence royal à la salle d'audience, elle dit, viens, on n'écoute pas les cons. Et puis on va s'installer tous les deux à la buvette du palais, et durant 20 minutes, une demi-heure, le temps de la plaidoirie adverse, Elle va m'interroger sur ce que je pense de la peine de mort, sur mes sentiments à l'égard de cet homme. Comme si c'était pour sonder
l'absence de tout esprit vengeresque. Je lui dis que je ne suis pas pour la peine de mort et que je lui en veux. Que je lui en veux et que je lui en veux d'autant plus que je viens d'entendre ses réponses. Et quelque part, là, à ce moment-là, pour moi, le pardon n'est pas possible. Parce que le pardon, je ne pourrais jamais lui accorder, étant donné qu'il... Il ne demande pas pardon. Il ne demande pas pardon, rien. Et vous ne sentez aucune compassion pour la douleur qu'il a provoquée? Ah, aucune. Mmh. Aucune. Et quelque part, il y a aussi la réflexion qui commence à naître, mais qui va cheminer dans ma tête, c'est... mais pourquoi occuperait-il une telle place dans ma vie alors que je n'occupe aucune place dans la sienne? Je suis inexistant pour lui, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il m'empoisonnerait? Et surtout, la justice va passer. Voilà. Et le jugement, ce sera quoi? Il est condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, alors, ce qui était une très lourde peine pour l'époque. Et je vais surtout avoir l'impression qu'on nous a quelque part, que la justice vous a entendu. Voilà. Ce qui est très dur pour moi, c'est de le voir sortir, de sortir côte à côte de cette salle d'audience, parce que on n'est pas... Il sort libre. Il sort libre. Et ça, notre avocate me l'avait expliqué. Hein. Elle m'avait expliqué avant que s'il y avait une peine de prison qui était prononcée, il y avait de grandes chances qu'il ressorte libre et qu'il ait à prendre rendez-vous avec le juge d'application des peines quelques mois plus tard pour savoir quand est-ce qu'il allait rentrer. Mais quand on a 14 ans, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est condamné et qui sort libre. Donc la sensation que la vie continue, qu'il n'y a pas de conséquences dans sa vie alors que celles dans la vôtre sont... Et puis le mot prison, là, si vous voulez, pour vous, prison, c'est hops, on y va. Là, à quelque part, moi, quand on m'a dit ta mère est morte, on ne m'a pas dit est-ce que tu veux qu'elle meure dans 6 mois ou dans 1 an. Hein, genre, ma mère était morte. Bon. Et donc, il y avait quelque part une incompréhension face à ce système, mais c'était passé. Et la justice, à mon avis, ce procès va être la première étape du deuil. J'étais plus dans l'attente. Je savais à quoi il ressemblait, je savais ce qu'il avait à dire, je savais ce qu'il ressentait. Moins d'interrogations, donc moins d'obsession. Oui, moins d'obsession. Et puis aussi le début d'une réflexion, de me dire quand même... J'espère qu'il est seul dans cette position. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres comme lui à l'heure actuelle qui vont faire la même chose? Et d'ailleurs, c'était une des phrases de la plaidoirie de notre avocate. Faites en sorte qu'il n'y ait plus d'un tel pour tuer des Marie-Louise. Bon. Et cette phrase-là va s'inscrire en moi et quelque part va être, à mon avis, l'une des bases du combat que je vais mener ensuite. Et la colère, je vais la déplacer d'un individu en particulier sur... des individus en général, ou en tout cas des comportements en général. Voilà. Parce qu'au fond, vous allez vous impliquer dans la prévention? Oui, c'est une histoire un peu folle. Une semaine avant l'accident de ma mère, était passée une émission sur la sécurité routière, et honnêtement, on n'était pas plus concernés que les autres. Hein, Et puis, on l'avait regardée en famille, et dans cette émission, passe une femme qui était avocate. Et ma mère a cette phrase hallucinante, elle nous dit « Cette femme est géniale, j'aimerais beaucoup la connaître. » Et puis mon père va s'en rappeler après l'accident, va rechercher les coordonnées de cette avocate, de cette association dont elle était la vice-présidente. Et je vais avoir la chance de rencontrer dans les semaines qui suivent l'accident et la présidente de la fondation Anne Cellier, qui était Christiane Cellier, et cette avocate qui va devenir ma mère. L'avocate pour le procès? Notre avocate pour le procès et une mère de cœur. Une mère adoptive, une mère d'adoption, une mère choisie, de substitution, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Ouais. Pascal, donc, c'est important parce que Vincent dit que la justice a eu un rôle finalement. A eu un rôle dans cette reconstruction, dans ces étapes jusqu'au pardon. C'est quoi? Parce que... La loi, c'est la force du symbolique. Hein. C'est très important que la loi soit là, d'abord, et deuxièmement, qu'elle soit respectée. Donc, la sanction, quelle qu'elle soit, à la limite, le rôle de la sanction n'est pas de compenser, mais de poser qu'il y a effectivement une victime, qu'il y a un responsable, qu'il doit être sanctionné. Il l'est, bon, et voilà. Vincent nous dit qu'à l'époque, c'était une sanction importante, celle qui a été reçue. Donc... c'était plutôt bien. Une forme de reconnaissance. Oui, aussi, oui. Et puis, ça permet, comme dit Vincent, d'entrer dans autre chose et donc d'entamer une phase de deuil. Vous avez dit que finalement, c'est que cet homme ne demande pas pardon. Quelque part, ça vous avait presque arrangé. Oui, ça m'a arrangé parce que j'étais encore bercé par la croyance religieuse
Et je vivais mal le fait qu'on puisse me dire tu pardonneras parce qu'il faut pardonner. Pour moi, le pardon, on ne pouvait pas m'imposer le pardon. Et j'étais pris entre eux, mais comme vous. J'étais pris entre eux, je crois en quelque chose, mais ce que je ressens n'est pas en adéquation avec ce qu'on m'enseigne. Et quelque part, cette phrase de le pardon est un don et on ne le donne que si on le demande, ça ne mettait plus la balle dans mon camp. Voilà. Il n'avait pas demandé, donc je n'ai pas pardonné. Oui. Et aujourd'hui encore, si j'ai pardonné, je suis heureux de pouvoir dire que je l'ai fait quelque part de manière vraiment irréfléchie et chemin faisant. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a même vous arrivez même à identifier à quel moment vous avez pardonné, au fond. Marie-Cécile et Jean-Paul, donc, vous avez vécu ce drame, on l'a vu, il a été médiatisé, beaucoup d'émotions. Il va y avoir le procès, mais avant le procès, il y a une reconstitution. Et vous, Jean-Paul, vous faites le choix d'y aller. Oui, contre tous les avis des gens qui étaient là, c'est vrai. Mais je m'étais promis, j'avais promis à François de le faire. Je voulais savoir ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Vous en attendiez quoi, vous, Déjà de rencontrer et de voir les trois, parce qu'on ne les avait jamais vus. Et pourquoi c'était important pour vous de les voir à ce moment-là, vous vous rappelez? Pour essayer de comprendre un petit peu. Bon, je me suis trompé là-dessus, parce que c'est vrai que ce n'est pas dans une reconstitution qu'on comprend. Donc votre moteur, c'est ça, en tout cas. On voit le processus, on voit... voilà, et c'est tout près de la folie. Hein. Je suis passé tout près de la folie, je crois, là, parce que j'ai pris des risques. J'étais à 2 mètres d'eux, hein. Et j'ai pleuré devant eux. Et je me suis dit, c'est peut-être important de pleurer devant eux, parce que il n'y avait aucune humanité dans cette... une reconstitution, c'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de... Factuel. Factuel, ouais. Et est-ce que vos regards se croisent, par exemple? Non, très peu. Non. Comme au procès, on se croise très peu. Non, je crois qu'ils baissent la tête. Et donc, au procès, comment ça se passe? C'est-à-dire que là aussi, qu'est-ce que vous en attendez du procès au moment où vous y êtes? Comme disait Vincent, une reconnaissance de la société, de ce qui a été fait, quoi. Mm. Je pense que c'est aussi, après les obsèques, une autre étape indispensable à vivre. Mm. C'est sûr que on avait besoin de les voir, de voir à quoi ils ressemblaient, enfin pour moi, puisque c'était la première fois. Vous vous rappelez de votre sensation? Ils sont jeunes, la jeunesse. Et la tête baissée, tout le temps. Pendant 3 jours, on les a regardés pendant 3 jours et jamais les regards ne se sont croisés, quoi. Et vous en attendiez quelque chose? On attendait que ça se passe, que ça se fasse. Que ça se fasse. Que le jugement se fasse. Voilà, c'était important qu'il y ait un jugement. Et voilà, que la justice des hommes passe. Enfin, nous, on n'avait pas du tout envie de dire il faut une peine. Voilà, c'était pas notre problème. Non. Pendant ce procès, vous avez pris la parole, Jean-Paul, pour dire quoi? Et pour leur dire quoi? Mais pas que moi, hein, je crois qu'on était... Oui, il y a eu Isabelle, c'est-à-dire qu'on a toi aussi. Le président des Assises a permis qu'on parle de François la première matinée. De le présenter. De présenter François, voilà. Puis je me suis adressé à eux. Vous dites avec le sourire, pourquoi? Ben parce que ça ne se fait jamais. C'était pris en compte alors que... C'est l'idée que tout ce qui allait se produire, c'était pour parler quand même de quelqu'un qui n'était plus là, et cette personne, c'était de l'évoquer. Mmh. Et ça ne se fait jamais. Non. Très rare. Et j'ai pu leur dire, avant d'arrêter, leur dire, mais vous êtes des monstres, mais si vous voulez redevenir des hommes, vous avez un chemin énorme à faire, faites-le, quoi, essayez de le faire. Mais bon, sans les regarder dans les yeux, puisqu'ils ne regardaient pas. Mais voilà, j'ai dit ça. Qu'est-ce que vous apprenez sur eux pendant ce procès? Qu'on est dans un monde différent. Tout à fait. On est dans un monde complètement différent. C'est-à-dire? Au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'ils ont pu vivre. Voilà. Je pense que c'est des gens qui ont été sans amour. Mm. Ils n'ont jamais eu d'amour, ces gamins-là. Une pauvreté. Et c'est ce qui nous saute à la figure, quoi. On a entendu des parents, des proches s'exprimer, si on peut dire, avec les peu de moyens qu'ils avaient. Certains ont connu la violence dans l'enfance. C'est vraiment la pauvreté, quoi. Les coups, c'était vraiment la pauvreté sous toutes ses formes. Forme de misère. Oui. Mm-hmm. Oui. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais
Voilà, c'était vraiment, comme dit Jean-Paul, la rencontre de deux mondes. C'était un choc. Ça vous aide à quoi? À comprendre? Oui, au fond, c'est oui. Ces informations nouvelles. Parce que c'est des informations qu'on avait déjà dans le dossier, quand même. C'était pas. Mais là, on les voyait, et on voyait aussi les parents des mineurs, les plus jeunes. Bon, on comprenait un certain nombre de choses, quand même. C'est-à-dire voilà. Bah, cette pauvreté culturelle, intellectuelle. Ben, ils étaient quand même condamnés aussi, puisque ils avaient brûlé les papiers. Destruction de preuves et et recel. Oui, ils ont été condamnés. Donc le verdict, c'était quoi? Ils ont été condamnés à, je crois, 2 ans de prison. Les parents, Les parents, oui. Les jeunes, beaucoup plus, puisque le mineur a pris 15 ans et les majeurs, 20 ans. Voilà. C'est pas. Enfin, pour nous, enfin. Mais. Moi, je suis resté sur la colère quand même, parce que les jeunes, enfin les gens qui ont manipulé ces jeunes-là, jamais, ils ont changé d'adresse. C'est tout ce qu'on nous a dit au tribunal. Donc, ils ont changé d'adresse, donc ils ne sont pas venus. On ne les a pas retrouvés. Donc, ceux-là, ils n'ont rien dit et on n'a rien fait. Donc, ils étaient skinheads, comme on l'a entendu, ils n'étaient pas encartés, mais en tout cas, ils avaient des idées, etc. Il y en avait un quand même qui devait y être. D'accord. Et donc, ces idées, parce que, en fait, le procès a montré que ce soir-là, ils avaient l'intention. De se faire un arabe, et à défaut, ils n'en ont pas trouvé, donc ils sont allés au parc pour se faire un homosexuel. Voilà. Merci. Le but, ce n'était pas de tuer. Enfin, il faut connaître. Ce qu'ils voulaient, c'était humilier les gens. Ils avaient besoin certainement de ça pour se sentir forts et reconnus. Voilà, donc, s'attaquer à des gens qui pensaient être des sous-hommes. Oui. Parce que ça, c'est dans leur Vocabulaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qui vous a choqué, c'est que les gens qui leur ont mis ces idées dans la tête, eux, n'étaient pas là. Non, voilà. Et donc, au fond. Vous allez me dire comment vous avez réussi à sortir de la colère. J'ai la sensation qu'il y a quand même à la fois une forme de compassion, en tout cas de compréhension. C'est-à-dire que comme c'est incompréhensible, le simple fait d'avoir des informations sur eux, sur le milieu dans lequel ils ont grandi, de comment on en arrive là, comment mieux le contexte. Presque une vision sociétale, alors que c'est un drame personnel, ça vous a aidé d'une certaine manière. Ce qui nous a beaucoup aidé, je pense, c'est ce qu'a dit François. Ce qu'ils ont réussi à le dire le troisième jour, parce qu'il y a eu 3 jours de procès. Ce qu'il a dit pendant l'agression. Ce qu'il avait dit. Pendant l'agression. Oui. Voilà. Ce qu'il avait dit, qu'il les avait insultés. En fait, il leur a dit, vous êtes des lâches. Ce qui était la pure vérité. Hein, et ça, c'est ça qui leur a fait péter les plombs. Enfin, voilà. Leur dire, vous êtes des lâches alors qu'ils étaient un sous-homme. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas supporté, quoi. Ça a été dans leur. Voilà. Et ça nous a rendu très très fiers de François. Moi, je suis très fier de François. Je dis, il a été vers la mort, mais je pense qu'il a, été dans la dignité, quoi. Il a résisté et il a été digne jusqu'au bout. C'est fou. Dans tout ça, finalement, il y a une phrase qui va intervenir dans un moment très très aigu et qui va vous aider. Oui. Oui. Mais je crois que François nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez, Pascal? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de la colère et puis le pardon. Il me semble important de dire que ce qu'on pardonne presque le plus facilement, le plus vite en tout cas, c'est justement l'impardonnable. Parce que la colère a une fonction, mais le pardon aussi. Et une des premières fonctions du pardon, surtout quand on est immédiat, on a vu parfois dans des reportages à la télévision des parents de victimes d'attentats, presque à chaud, ou en tout cas quelques heures après l'attentat, par exemple, dire « je les pardonne ». Et on se pose la question, comment ça se fait? Pourquoi? Comment c'est possible? Et bien, c'est possible pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsqu'on vit un événement de cette portée, de cette violence, soit on pardonne tout de suite, soit on part en guerre. On pardonne pour ne pas prendre les armes et partir en guerre, pour ne pas être soi-même en guerre, c'est-à-dire dans une colère portée à l'extrême. Ça permet aussi de se retrancher dans la douleur et de n'avoir que sa propre douleur. Parce que s'il faut gérer la colère, la guerre et sa propre douleur, ça fait trop. Et ça met à l'écart à la fois l'événement, mais surtout ça met à l'écart les personnes responsables de l'événement. Le fait de dire « je pardonne », ça fait tomber un mur. On se retrouve avec sa douleur, ce qui est déjà pas mal. C'est un peu comme si on disait « laissez-moi souffrir en paix, laissez-moi souffrir tranquille ».
Et puis, ça permet aussi soit de renvoyer l'agresseur ou le responsable ou les responsables dans leur monde. Vous l'avez dit, c'est un autre univers. Mmh. Soit ça les renvoie dans leur monde et ça met une marque, une frontière nette entre leur monde et le mien. Et moi, je ne suis pas là-dedans, je ne veux pas y être. Ou alors, ça peut les attirer aussi. Le pardon, c'est une façon d'attirer cet agresseur dans son monde. Alors ça, c'est un peu quelque chose qui est fantasmé, parce qu'en le pardonnant, on peut se dire qu'on va le rendre meilleur. Parfois oui, parfois non. Mais en tout cas, c'est comme si on recrée un monde unique entre lui et nous. Mmh. On le pardonne, donc on fait partie d'un même monde. Ça l'humanise. Ça humanise celui qui avait perdu son humanité. Alors, moi, je voudrais intervenir un peu. On n'a pas pardonné. On n'a pas encore pardonné. Ah oui, tout à l'heure, Vincent disait il faut qu'il y ait une demande et une réponse pour un pardon. Pour l'instant, il n'y a pas... Mais ce qui vous anime aujourd'hui, c'est quoi? Alors, 6 mois après... On a mis 6 mois pour écrire la lettre, une lettre ouverte à ces 3 jeunes. Vous aviez envie de leur dire quoi? Que Jean-Paul avait commencé à dire au procès, donc en disant voilà, qu'on avait essayé de comprendre, qu'on avait découvert un peu leur univers, qu'on avait essayé de comprendre sans y parvenir, ce qu'ils avaient fait, et qu'ils avaient effectivement un bon bout de chemin à faire, Comme disait Pascal, vous essayez de les rendre meilleurs. Oui, tout à fait. Oui, leur montrer qu'ils sont meilleurs. Ils peuvent être meilleurs. Enfin, je veux dire, ce n'est pas les rendre meilleurs. Ils le sont. Ils ont des qualités. Voilà. Sauf qu'ils ne savent pas qu'ils ont des qualités. Voilà. Ils ont toujours une étiquette négative. Ils ont toujours l'impression d'être des pauvres mecs. Quoi. Enfin, et alors qu'ils ont des qualités. Tout le monde a des qualités. Et c'est ce qu'on a essayé de dire. Quoi. Alors, est-ce que vous avez eu des réponses? Alors, on a eu une première réponse dans la semaine qui a suivi l'envoi. De qui? Eh bien, de celui qui était le plus incrusté dans ce mouvement d'extrême droite. Donc, le meneur, le plus âgé. Et, il vous dit quoi? Il nous a envoyé... Il nous dit... Deux grandes pages manuscrites. À la fin, il dit c'est François qui a été le plus courageux. Oui. C'est je me dis quelqu'un qui t'envoie ça. Et puis, il nous dit aussi qu'il pensait pas qu'on puisse lui envoyer une lettre comme ça. Donc vous l'avez ébranlé, c'était votre objectif. Oui, mais il l'était déjà, je pense. Tout à fait. Je pense que François l'a ébranlé. Son attitude l'a ébranlé. Il avait déjà commencé quelque chose et notre lettre est arrivée à point. Enfin, il était prêt. Je pense. Il a répondu tout de suite parce qu'il attendait quelque chose. Puis il y en a eu d'autres, d'échangés. De sa part? Oui. Et de la nôtre, bien sûr. Mais on mettait toujours un certain temps avant de... Oui, chacun avait échanges, du mal à digérer, et à reformuler. Et le sens de cet échange, au fond, qu'est-ce que vous vous racontiez au fur et à mesure des lettres? Et au bout de la... C'est la deuxième ou la troisième? Moi, j'ai senti à travers les lignes que devenait sa famille de référence. Je me suis dit là, il faut faire attention parce que c'est pas notre rôle. Non. Où est-ce qu'on va? Parce qu'on va lui faire croire, lui faire penser des choses, puis on pourra pas. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça? J'ai pris contact avec une assistante sociale dans la maison d'arrêt où il était. Parce que vous aviez la sensation qu'il allait avoir des attentes de sa part en ce qui vous concerne? Des attentes auxquelles on ne pourrait pas répondre. Non, puis c'est pas possible. C'est pas notre rôle. Mais rôle de quoi? De réconfortant pour lui? C'est ça le rôle que le rôle de vous ne vouliez pas jouer. Voilà. Ça, il peut le faire avec quelqu'un qui est plutôt neutre par rapport à ce qui s'est passé, mais pas là, quoi. Je ne sais pas. Une question, mais alors qui me passe là. C'est plus de l'intuition que de. Moi, j'y suis souvent confronté. Alors, moi, je n'ai pas été confronté personnellement, quoique peut-être sans l'avouer, mais je le vois moi souvent avec les gens que je défends. Alors, parce que vous êtes avocat, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'au moment où vous vous rendez compte que vous cheminez vers une prise de contact vers eux, en tout cas, que vous tentez une démarche vers eux, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites on n'est pas forcément fidèle à ce qu'a vécu notre fils? Parce que moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent le pardon. Oui, ils nous demandent pardon, mais on ne peut pas parce que... On ne peut pas pour nous, mais on ne peut pas pour notre fils, pour notre mari, on ne peut pas trahir, voilà. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu, ne serait-ce qu'un instant,
ce sentiment de trahison, moi, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse personnellement, vraiment. Mais je pense qu'on n'est pas, on va pas jusqu'au pardon pour ça, parce que, parce qu'effectivement, bon, c'est François la victime, c'est pas nous. Nous, on est des victimes indirectes. Et puis, il y a nos enfants, ils sont pas forcément dans la même attitude. Donc, là aussi, enfin, il faut être, enfin, je pense que c'est très important de faire attention à ce qu'on dit, quoi, parce que on est dans une démarche. Mais on n'est pas forcément dans cette... Enfin, on est sûrement dans une démarche de pardon, oui, mais oui. On, le mot pardon est piégé. Oui, tu vois. Tout à fait. Donc, comme parfois beaucoup de mots... Parfois galvaudé. Hein, c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire. Donc, vous voulez dire quoi? Parfois, il est utilisé trop facilement. Oui, on peut mettre des choses complètement différentes derrière. Enfin, on peut vrai. Effectivement dire le pardon tout de suite. Bon, moi, je ne comprends pas ça. Et quel regard, Vincent, vous portez sur l'attitude, effectivement, de Marie-Cécile Jean-Paul, qui force l'admiration, parce qu'on s'identifie, on essaie de se mettre à la place, ce qui est impossible. Bah, moi, je suis assez, je dois vous le dire, je suis assez, alors, je ne sais pas si admiratif est le mot adéquat, mais je regarde tout ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, on va dire, de bienveillance. Et je vous dis chapeau, parce que vous avez eu cette démarche... De tenter de comprendre l'incompréhensible et à mon avis beaucoup de gens n'auraient pas cheminé comme vous leur écrire moi j'ai pas été face à ça parce que quelque part l'homme qui a tué ma mère encore une fois c'est bien quand il s'est levé à côté de moi je l'avais pas soupçonné c'était quelqu'un qui était insoupçonnable c'est-à-dire que là on est effrayé par la cruauté, et là, vous êtes. Vous allez dire quel mot face à la. C'est une forme d'irresponsabilité. Oui, moi j'étais presque effrayé par sa banalité. Hein, genre, et donc, quelque part, moi j'ai pas eu à ce cheminement-là. Et puis j'étais aussi à un âge où j'ai jamais pris mon stylo pour lui écrire, et ça m'a pas traversé l'esprit. Ce qui, moi, m'arrive souvent, c'est que, par exemple, quand dans les dossiers d'accidents de la route mortels, il m'arrive parfois d'avoir des lettres par confrère... Aujourd'hui, en tant qu'avocat. Du responsable à l'adresse de mes clients. Mmh. Et j'appelle mes clients, je leur dis, voilà, j'ai la fameuse lettre. Mmh. Et j'ai souvent des clients qui me disent, maître, mettez-la dans le dossier, on n'est pas prêt. Mmh. Mmh. Et le jour où on vous le dira, ayez la gentillesse de nous l'envoyer. Quand les agresseurs écrivent aux victimes. Ouais. Mmh. Et souvent, ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a dedans. Mmh. C'est le simple fait qu'il y ait eu cette démarche. Mmh. Mmh. Dans votre cas, on va voir effectivement que vous êtes devenu avocat et que c'est pas par hasard. Mais dans votre cas, dans votre histoire personnelle, vous disiez donc le drame arrive, vous avez 12 ans, 14 ans le procès. Vous allez vous engager finalement assez rapidement, donc ça donne du sens. Et puis, vous grandissez avec cette idée qu'il ne faut pas montrer sa tristesse ou sa douleur, donc il y a un empêchement. Et puis, retour de bâton, vous disiez à la vingtaine, ça va se concrétiser comment ? Bah, ça va se concrétiser sur le fait que d'abord j'ai 18 ans, j'ai le bac, j'ai pas eu d'adolescence, très clairement, parce que j'ai été mis de suite dans le rôle de l'adulte. Je m'inscris en droit pour commencer mes études. Et puis, au fond de moi, je vais pas bien. Sauf que je suis pris entre la dualité du jeune exemplaire qui est président d'une association, qui côtoie les ministères et qui veut faire bouger les choses, et le gamin, au fond, qui manque quand même un sacré bout de lui-même. Et quelque part, je vais, à mon avis, inconsciemment, mais ça, c'est vous qui pourriez me le dire, en tout cas, c'est ce que l'analyse m'a appris, je vais casser le moule, je vais essayer de me faire jeter par mon père, par mon avocate qui est devenue ma mère de cœur, qui veillait sur moi. Je vais d'abord aller de moins en moins en cours, plus je ne vais plus y aller, plus je vais dire à tout le monde que je continue à aller ou j'y vais plus. Et je vais être pris dans cet engrenage de la dualité, de la dualité entre l'image exemplaire et l'échec d'un côté. C'est un appel au secours, hein, quelque part. Et puis un jour, il y a la prise de conscience, de se dire tu ne peux pas terminer tout ça sur un échec pareil. Quoi. Et la décision de devenir avocat, parce qu'effectivement... Elle arrive vite. Elle arrive... En fait, quand ma mère est morte, le jour où ma mère meurt, avant qu'elle meure, je voulais devenir conducteur de train. Bon. Et puis, je vais rencontrer cette femme qui va nous défendre et qui, rapidement, va investir le rôle de mère, mais en sachant rester à sa place. Ça veut dire qu'elle va me dire, si un jour tu as besoin d'une maman qui ne le sera jamais, je serai là pour toi.
Et puis, cette figure va m'apparaître une figure exemplaire et va naître chez moi. C'est vraiment une vocation. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi pour vous devenir avocat ? Devenir avocat, j'ai un peu l'image d'Épinal. Hein. C'est je vais aller défendre la veuve et l'orphelin. Je vais faire du pénal. Je vais défendre les victimes. Est-ce que vous imaginez avocat de ceux qui ont commis des actes ? Non, alors tout de suite, non. Tout de suite, non. Mais il y a quelques années, quand mes études de droit ont avancé, je me suis dit, pourquoi pas casser le moule ? Voilà, pourquoi pas faire du pénal et pourquoi pas faire de la défense ? Et donc défendre des agresseurs, ouais. En me disant, pourquoi pas pousser le paradoxe jusqu'au bout ? Et défendre l'indéfendable. Vous comprenez, je vous coupe, pardon, parce que je vous vois en train de hocher de la tête. Vous comprenez le raisonnement ? Oui, très bien. C'est dans la continuité de sa construction, Vincent. Hein, voilà. C'est pas vraiment défendre les agresseurs, enfin, en soi, c'est mettre de l'ordre dans tout ça. Ce que fait l'avocat, d'ailleurs, normalement. Et puis aussi, ça permet de comprendre le fonctionnement des agresseurs. Toucher à ce monde dans un premier temps, on aurait voulu s'en éloigner parce que c'était très violent. Après, on s'en rapproche parce qu'il y a aussi cette période obsessionnelle vis-à-vis de l'agresseur, etc. Mais c'est surtout l'avocat qui prend vraiment sa place, en fin de compte, qui n'a plus besoin de dépendre uniquement de ce vécu-là, mais de devenir un vrai avocat, c'est-à-dire de défendre ce qu'il y a à défendre. Oui, puis quelque part, c'est aussi la démonstration que je voulais me faire, moi, que j'aurais souhaité me faire, de me dire que cette histoire, je l'avais dépassée. Voilà. Et puis, la réalité de la vie professionnelle a fait que j'ai pas continué dans cette voie. Dans cette voie, c'est-à-dire ? Le pénal. J'ai renoncé à l'idée de passer du côté de la défense. Je suis resté du côté des parties civiles. Mais sans doute, que, ne serait-ce que cette réflexion autour de je vais aller du côté de ceux que j'aborde, m'a-t-elle permis d'accepter au fond que j'avais passé le cap, que cet homme n'allait plus être le cœur de ma vie. Et tout à l'heure, quand Cécile, vous avez dit le pardon est sans doute galvaudé et il y a des formes de pardon, pour moi, sans nul doute, que mon pardon s'apparenterait plus à de l'indifférence. Voilà. Cet homme, je l'ai posé, voilà, il est là, il a été sur ma route, je l'ai posé, j'ai continué à avancer. Si un jour il revient vers moi, je sais que j'ai la force de ne pas lui claquer la porte au nez. Voilà. Cela dit, le pardon galvaudé de dire je vais en faire un pote et non, parce que le pardon, c'est pas non plus l'oubli. Voilà, j'ai peut-être avancé dans le pardon, mais j'ai une très bonne mémoire. Et qu'est-ce qui s'est passé de spécial il y a 4 ans du coup ? Il y a 4 ans, alors j'étais encore, je venais de prêter serment, j'étais encore un peu dans l'associatif. Et un jour, je rencontre quelqu'un avec qui je dîne. Et la question fuse, une question que je ne m'étais jamais posée. Il me dit, et si demain il t'appelait, qu'est-ce que tu ferais ? Et je lui dis, écoute, honnêtement, je lui dirais de venir me voir. Et quand je sors cette phrase, je me suis dit, mais peut-être que tu lui as pardonné. Et au fond, ça m'a même troublé, parce que je pense que quand le pardon est pas forcé, le jour où il vous revient en effet boomerang, ça vous pose plein de questions. Ça vous dit, mais est-ce que j'ai pardonné ou est-ce que j'ai pas pardonné ? Est-ce que je suis fidèle à ce que j'ai vécu ? Est-ce que je suis fidèle à tout ça ? Et est-ce que je trahis personne ? Hein, bon. Et c'est là que j'ai eu cette réflexion, et d'ailleurs, je suis reparti en analyse, quelques temps, et pour discuter de ça, en tout cas parler de ça. Et je me suis dit, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était totalement sorti de ma vie. Preuve en est, c'est que c'est au détour d'une conversation qu'il y a fait irruption. Je pense plus à lui, il m'obsède plus. Et donc, je suis sûrement prêt à pouvoir discuter sereinement et à pouvoir accepter d'avoir un regard bienveillant et lucide sur l'éventuel chemin qu'il aurait, lui, parcouru. Et c'est pour ça que, pour moi, le pardon, comme mon pardon, si on peut lui donner ce nom, il n'a pas une dimension religieuse, il a une dimension spirituelle au sens générique du terme. Hein. Tout à fait. C'est un cheminement. C'est humain. C'est humain, oui. Et puis entre nous, je, je, je,
D'abord parce que je suis peut-être un peu trop feignant pour entretenir une rancœur. Je sais pas, moi je suis pas quelqu'un, je vis pas dans la rancune. Au quotidien, hein, ça m'oblige à un effort qui est au-dessus de ce que je peux accorder à quelqu'un. Et c'est un peu ce que disait tout à l'heure Jean-Paul, c'est-à-dire qu'il a senti comme un instinct qu'il ne fallait pas être habité par la haine parce que c'était dangereux. Ah bah oui, c'est ça, bien sûr. Parce que je me suis rendu compte que ça m'empêcherait d'avancer, ça m'empêcherait de me construire. Et que j'ai pas voulu porter ce poids-là. Je pense que parfois la haine et la colère sont plus dures à porter que la souffrance et la douleur. Voilà. Alors vous dites je crois, vous êtes sûre de ça? Ben oui, parce que l'énergie se répartit, enfin on a une limite, et elle se répartit sur ça, sur autre chose, et la colère, la rancune, l'amertume, ça mange une part d'énergie, oui. Et c'est un poison qui n'est pas... Oui, dans le sens où... Le poison, dans le sens où ça grignote tout le reste, quoi. Où ça envahit tout le reste. C'est un cancer. Donc, et pour tous ceux qui nous regardent, qui ont vécu des situations comme les vôtres, pas forcément aussi tragiques, mais qui sont dans la colère, la haine, pour ceux qui leur ont fait du mal, et qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont la sensation de ne pas y arriver, et qui sont presque même coupables de ne pas y arriver, parce que c'est pas facile. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense déjà un problème, c'est de se sentir coupable de ne pas y arriver. Voilà. À mon avis, il n'y a pas de dette. On n'a pas... Et c'est pour ça que j'enlève toute connotation religieuse au pardon. Ce n'est pas une obligation, je pense que c'est un cheminement. Et il ne faut pas forcer les choses. Voilà, il faut simplement parfois apprendre un peu de recul. Et avant d'avoir un travail vis-à-vis de l'autre, sans doute avoir un travail sur soi-même. Disons, qu'est-ce que ça m'apporte que cette colère, pour mieux pouvoir la déposer? Voilà, je veux dire, est-ce qu'on n'oubliera jamais parce que vous vivrez à jamais sans votre fils, parce que je vivrai à jamais sans ma mère? Maintenant, il faut composer avec. Vous avez commencé par là, en disant c'est un fait. Et la vie, elle est devant. Donc, avancer et en se disant que le pardon, quand il arrive, il ne faut pas non plus... il ne faut pas le forcer, mais il ne faut pas non plus le rejeter quand il pointe le bout de son nez. Et vous, Marie-Cécile Jean-Paul, ceux qui sont encore dans la colère, qui ont l'impression de ne pas avoir le même cheminement que vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, de transmettre? Je pense que il faudrait... Enfin, par rapport au pardon, je pense qu'il faut dissocier. L'acte en lui-même est impardonnable. C'est quelque chose qui... Voilà. Après, la personne qui a commis l'acte peut-être être pardonnée. Hein. Et donc, après, c'est effectivement, comme dit Vincent, c'est un long cheminement. De part et d'autre. Pascal, pour ceux qui ont la sensation de ne pas réussir à pardonner, qui sont dans la colère, dans la haine, dans ces sentiments que vous avez évités, qu'est-ce que vous avez envie de dire, au fond? Le pardon, effectivement, c'est pas obligatoire. Les personnes qui se disent « je n'arrive pas à pardonner », eh bien d'abord qu'elles ne se sentent pas coupables de ne pas pardonner déjà. Parce qu'après tout, on a le droit de ne pas pardonner, voilà. Hein, on a déjà subi assez. Si en plus il faut se dire qu'on est obligé de pardonner, c'est compliqué. Mais à ce moment-là, de laisser de côté cette idée de pardon qui va mûrir après peut-être par la suite, comme le disait d'ailleurs Vincent ou Marie-Cécile, mais que de penser justement alors à la colère. Pourquoi cette colère? Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'elle... D'observer ce qu'elle nous apporte. Voilà, d'observer ce qu'elle nous apporte et surtout ce qu'elle nous enlève, de façon à ce qu'elle puisse diminuer. Et là, ça laissera de la place à plus de pardon. On va continuer cette conversation. Je vais vous montrer un reportage qui va dans le sens de ce que vous racontez. Pardonner, c'est souvent nécessaire pour l'apaisement, finalement, même si c'est difficile. Et aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui mettent en relation des victimes et des agresseurs, que ce soit leur propre agresseur, d'ailleurs, ou pas. L'une de ces associations a filmé différents témoignages dans le cadre de ces rencontres, des récits qui montrent bien que ce type de dialogue est souvent bénéfique pour les victimes, en tout cas parfois, tout en permettant de lutter contre la récidive. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Il y avait eu un jugement de cour d'assises qui, non, ça ne m'a pas apporté des réponses. C'est-à-dire que ça a juste posé les choses en disant « Ok, vous êtes victime. Il est coupable, vous êtes victime. » Il n'y a pas eu d'explication derrière. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu les explications que j'attendais. Ça ne m'a pas expliqué le pourquoi, ça ne m'a pas dit « je regrette », ça ne m'a pas dit « pardon ». J'ai rien eu de tout ça. Moi, maintenant, ça fera 18 ans cet hiver que c'est arrivé. Et tout est encore écrit dans ma tête
date comme si c'était hier. Le meurtrier de mon fils m'aura pris 20 ans, nous on a pris perpète. Moi j'avais besoin de comprendre, de voir qui pouvait être et qu'est-ce qu'il faisait qu'à un moment donné dans une vie on en vient à briser d'autres vies. Si j'y suis allé, c'est pour pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur, des choses que j'ai pas pu dire. Au début, il fallait que je raconte pourquoi j'étais en prison, comment j'étais rentré en prison et tout ce qui s'est passé autour de ma mon affaire. J'ai vu des personnes sincères qui n'avaient pas pu avoir de réponse de la part d'un système. Une, c'était surtout pour pourquoi. Et une autre, c'était un problème de reconnaissance, parce qu'il y a eu non lieu. J'espère leur avoir apporté une réponse. La victime a toute sa place. Là, je pouvais dire tout ce que j'avais à dire. Ma colère, ma souffrance, ma frustration, mes questions. J'avais le droit de tout dire. Quelque chose a bougé, oui. C'est important à dire. Quelque chose a bougé. J'avais peur, par contre, pour les victimes. Envers eux, puis vu que c'est des victimes et moi, je suis... La personne qui a fait en sorte aujourd'hui, ils sont là. J'avais peur qu'ils se vengent contre moi. Mais ils étaient là pour chercher une réponse. Et moi aussi, j'étais là façon pour les aider en même temps, mais en aidant moi-même aussi. Moi, j'ai pu vraiment aller au bout de ce que j'avais à dire. Et ça a été pour moi un moment fort, bon, au niveau de mon ressentiment. Et puis après, de l'apaisement. Parce que j'ai pu leur dire exactement ce qu'une victime ressentait. C'est à faire, réellement, sincèrement. Ça aide à fermer une porte. C'est important. Alors, vos réactions dans un instant, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant ces images, donc Émilie et Luc. Bonjour. Salut les camarades. Bonjour. Est-ce que vous connaissiez ces témoignages? Vous les aviez déjà vus, entendus? Non. Qu'est-ce que vous ressentez à travers ce que vous venez de voir? Vous. On retrouve beaucoup d'émotions, oui. De mots qu'on a pu dire, voilà. Puis des étapes de ce qu'on a vécu, mais dans des étapes différentes. Mm-hmm. Hein, on a essayé de dire très vite, face aux trois jeunes, bon, ce qu'on pensait. Je pense que c'est important. La discussion, le dialogue, on en a besoin. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'occasions. Parce que tout le monde a peur de vous faire mal, de voilà. Donc c'est plus des éloignements. Vous voulez dire quoi quand tout le monde par rapport à des gens qu'on fréquentait, bon, il y a des gens qui ont eu beaucoup de mal à continuer à nous fréquenter parce que pour eux ça c'était difficile. C'est-à-dire que ils avaient toujours peur de nous blesser, de dire des choses. Après le drame, tout simplement, ça a mis mal à l'aise des gens et du coup, ne sachant pas comment faire, ils se sont éloignés. Oui, ou est-ce que des gens ne comprenaient pas votre attitude, vous qui étiez dans cette démarche très particulière, puisque vous avez écrit aux agresseurs de votre fils. Il y avait les deux, je pense. Mais bon, on ne décrypte pas toujours, mais il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas compris, qui ne sont pas d'accord. Ils vous disent quoi? C'est quoi leur mot? Ils ne disent pas. Il dit, bon, je ne te suis pas. Mais quelqu'un qui vous dit, je ne te suis pas, ça veut dire, je ne comprends pas cette démarche, encore une fois, d'écrire aux agresseurs, de... Oui, on ne sait pas trop quoi dans la démarche. Est-ce que c'est le fait que soit utiliser le mot du pardon? On ne sait pas. Est-ce que, voilà, il y a des choses qui sont des raccourcis, voilà, mais notre souffrance... Elle est permanente. Enfin, je veux dire, voilà, on peut passer des nuits à ressasser les choses. Voilà, c'est... Et de temps en temps, ça serait bien qu'on puisse en parler. Enfin, moi, j'ai jamais vu de psychologue. Pourquoi? Parce que je pensais qu'avec les amis, ça pourrait se faire. Mmh. Hein? Et ça s'est fait avec le réalisateur. Alors, effectivement, il y a eu un documentaire, c'est important de donner le titre de ce Et il a changé complètement son fusil d'épaule hier en nous rencontrant. Le titre, c'est Au-delà de la haine. Ouais. Donc, c'est essentiellement le cheminement de notre famille avant et pendant les assises. Et la lettre, ça se termine sur la lettre qu'on a écrite. Et ce documentaire, donc, aujourd'hui, du coup, vous-même, vous le diffusez dans des écoles? Alors, on a participé un certain nombre de fois, en témoignant à partir de ce documentaire-là, dans des groupes, auprès de collégiens ou de lycéens, ou des groupes d'adultes aussi, hein, c'est pas... Voilà, donc
mais maintenant, on ne le fait plus. Et le sens de tous ces témoignages, c'est-à-dire c'était quoi le moteur à ce moment-là? Le pardon. À mon avis, c'était oui, ça. Très souvent, oui, c'était. Et ce qui nous a amené à réfléchir longuement sur le pardon et à essayer de comprendre ce que ça pouvait être, le sens final. Et voilà. Et ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on n'a pas encore pardonné réellement. Réellement, quoi. Qu'est-ce que c'est pardonner? La lettre, c'est une ouverture vers. Une reconstruction, mais... Voilà. Et on va parler avec Luc, effectivement, de cette initiative et des conséquences, finalement, quand les victimes rencontrent des agresseurs, pas forcément leurs agresseurs. Vincent, vous êtes avocat aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, vous défendez plutôt des victimes. Ah, je défends que des victimes. Que des victimes, même si vous étiez posé la question à un moment donné. Et, et au fond, ça vous arrive de vivre des situations qui font écho à la vôtre? Bah, au quotidien. Au quotidien, parce que je défends des victimes d'accidents de la circulation, d'erreurs médicales et d'agressions. Et quelque part, quand vous êtes avocat des victimes et que vous avez vous-même été victime, vous êtes plus que tout autre habité par ce qu'ils vivent, quel que soit leur parcours, quel que soit leur point dans leur cheminement. Vous êtes, comme on dit, alors c'est pas très conforme à notre déontologie, vu qu'on prête le serment d'indépendance, mais vous êtes toutes causes confondues. Vous êtes eux. Et parce que vous devez tirer dans votre expérience et dans votre professionnalisme les mots qui peut-être résonneront dans la tête des magistrats et des jurés. Et dans cette confrontation des victimes et de leurs agresseurs, vous avez vécu des choses particulièrement marquantes? Oui, j'ai vécu des audiences, notamment je pense à une audience, c'était à Thonon-les-Bains, je défendais un homme qui avait croisé la route d'un jeune alcoolisé au volant, qui l'a percuté alors qu'il circulait en moto, et dans le choc, le réservoir de la moto a pris feu. Et mon client s'est retrouvé brûlé à 70% de son corps au troisième degré, totalement défiguré, a passé 2 ans à l'hôpital. Et l'audience arrivait 3 ans après l'accident. Et durant 3 ans, cet homme n'avait plus pu voir son fils pour éviter l'impact psychologique sur ce petit gamin. Avait perdu son emploi, avait perdu sa femme. Et on arrive à l'audience pénale. Et moi, je me prépare à cette audience de manière très, on va dire, très théorique, parce que le parcours de cet homme m'était insupportable. Si je restais pas dans mon rôle d'avocat, je pense que j'aurais pas pu tenir bon lors de cette audience. Et donc, je décide de travailler techniquement mon dossier pour en mettre plein le museau aux jeunes qui comparaissaient. Et j'arrive dans une salle d'audience où l'ambiance est étouffante. Le président m'appelle pour me dire « Maître, est-ce que votre client est là? Est-ce qu'il va tenir bon ?» Je dis « Oui ». Et les débats commencent et je me retrouve non pas face à un jeune totalement irresponsable, mais un jeune bouffé par la culpabilité qui nous fait un malaise à la barre. Le président le fait s'asseoir. Et le président, pendant un moment, me dit « Maître, est-ce que votre client est là? Faut-il prendre la parole ?» Et là, je regarde mon client avec des yeux, le suppliant de ne pas la prendre. Parce que j'avais peur que ça dérape. Et mon client se lève, dit « Oui, j'aimerais prendre la parole. » Et là, je m'attends à ce qu'il y ait un sale moment d'audience, comme on dit. Et mon client s'approche de ce jeune, l'attrape par l'épaule, et lui dit « Regarde-moi. Tout ce que j'ai vécu, je suis debout à côté de toi. Je me suis battu, je vois plus mon gamin, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon boulot, mais je suis debout et j'avance. » Alors, tu vas te botter les fesses, tu vas te relever, tu vas avancer parce que je t'ai pardonné. Et là, on s'est tous regardés, entre avocats, le parquet, le client, moi, le président, tous les larmes aux yeux en plus, il n'y avait plus rien à dire. Quelle que soit la sanction pénale, quel que soit, le mot était passé. Et après, il a continué. C'est parce qu'à l'audience, à la sortie, moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir prendre mon avion pour Paris, pour souffler, avoir ce moment où j'avais besoin d'être seul pour souffler. Et il est parti côte à côte avec ce jeune. Et ça a été une vraie leçon de vie, comme on en a parfois dans ce métier. C'était un beau moment d'audience. Et c'est souvent, quand j'entendais les témoignages, c'est quelque part ce que les victimes reprochent souvent au système judiciaire, c'est que le système judiciaire n'est pas là pour leur permettre d'avoir ce moment, parce que c'est pas le rôle de la justice, nous dit-on. Et c'est pour ça que c'est bien. Parfois, on a des moments après qui permettent à ceux qui le souhaitent de se rencontrer.
Alors justement, Luc, c'est la justice restauratrice. Restaurative ou réparatrice. Il y a plusieurs termes. Voilà. C'est vrai que ces rencontres de justice restaurative, elles ont pour but d'établir justement un lien entre les auteurs des faits et les victimes. Et alors, elles se font de manière bien sûr très encadrée, hein, avec le personnel pénitentiaire, avec des animateurs qui sont formés à ça. Et là, comme on a pu le voir, là, il s'agissait de victimes et d'auteurs qui n'étaient pas l'auteur direct. Hein. Mmh. Il peut y avoir des rencontres entre des victimes et des auteurs de faits similaires, mais pas forcément de contact direct, mais ça arrive aussi. Et l'idée, c'est vraiment de rétablir un lien entre les deux. Et il y a une condition pour que ça se fasse, il faut vraiment que l'auteur des faits accepte les faits, qu'il ne nie pas les faits. Oui, il dit oui, je suis l'auteur de ces faits-là. Quoi, hein, alors, ça a l'air nouveau en France ? Oui. Oui, oui, c'est nouveau en France, ça a été inscrit dans la loi en août 2014, mais en fait, ça a une origine beaucoup plus ancienne, en fait, parce que ce système de mise en relation, comme ça, c'était pratiqué chez les Maoris, en Nouvelle-Zélande, ou chez les Amérindiens. L'idée, c'était que, dans une société, quand quelqu'un commettait un crime ou un délit, il fallait surtout pas l'exclure. Il fallait que la société puisse continuer à vivre ensemble, et donc il fallait restaurer un dialogue, restaurer pour que les liens de la société soient restaurés, soient toujours là, et tout simplement pour promouvoir le vivre ensemble. Mais ça a du sens quand vous le racontez comme ça, vous que c'est le métier, vous êtes juriste, vous comprenez cette philosophie ? Alors, je la comprends. Si vous voulez, après d'abord, ce qui est important, c'est de bien dire que ça dépend après de chaque cas, parce qu'il faut que les victimes et l'auteur, et parfois même c'est la mise en relation de victimes avec des auteurs d'actes similaires, mais qui ne sont pas les auteurs de direct. Ouais. Mais surtout, moi, c'est par rapport à la compréhension de la sanction que ça m'intéresse, parce que protéger le but de la sanction pénale, c'est de protéger la société. D'abord, le temps de l'incarcération, mais aussi contre le risque de récidive. Bien sûr. Et qu'une sanction qui n'est pas comprise, c'est une sanction qui est vouée à l'échec en termes d'enseignement. Mmh. Et donc, si vous enfermez quelqu'un sans le préparer à sa sortie et l'avoir fait réfléchir sur son acte, vous pouvez être quasiment sûr que vous le condamnez à recommencer. Et donc, je trouve l'approche intéressante parce que ça permet d'une part de renouer le dialogue entre les différentes protagonistes, mais surtout du côté du coupable, de l'amener, s'il est prêt, à réfléchir et donc de son côté à faire le cheminement parallèle à celui que les victimes peuvent faire et dont on a débattu. Mmh. Voilà. Mmh. C'est ça, c'est vraiment, il y a de vrais bénéfices en fait pour les victimes parce que elles peuvent exprimer leur souffrance auprès des auteurs. Elles peuvent leur faire comprendre par quoi elles ont pu passer. Mmh. Un procès, quelque part, il est peut-être trop frais. Surtout qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. On n'a pas le temps. Et d'ailleurs, quand vous avez avocat de victime, la première chose que vous dit le président, souvent, c'est maître. Vous représentez les victimes, mais soyons brefs. Et vous avez ce mythe chez les magistrats de la victime animée par le souci de vengeance. Mmh. Ce qui n'est pas le but. Si la victime est là, c'est simplement pour faire entendre sa voix. Mmh. Mais le droit pénal raisonne d'un côté. Vous avez la société qui poursuit, qui est le procureur, et le coupable. Moi, le présumé coupable. Et la victime n'a pas de place. Mmh. Et donc, c'est vrai que l'enceinte judiciaire ne sait pas donner cette place au dialogue. Mmh. C'est bien qu'on le fasse après. Moi, je sais que dans le cadre associatif, je l'avais fait. Et d'ailleurs, au sein de l'association de victimes dont je faisais partie, ça avait fait l'objet de grandes polémiques. J'avais accepté qu'on aille, en tant que victime, dialoguer avec des chauffards incarcérés à Meaux. Mmh. Et j'avais passé des matinées entières à parler avec ces gens. Mais parce que même moi, je considérais que dans la lutte contre l'insécurité routière, c'était important qu'on dialogue avec ces gens pour comprendre leur comportement, mm-hmm. pour réfléchir aux mesures qu'elle les prévenir, bien sûr, et de récidive en ce qui les concerne. Tout à fait, bien sûr, mm-hmm. bien sûr. Et donc, c'était importé par qui en France ? Alors, il y a beaucoup d'associations comme l'INAVEM, qui est plus connue sous l'appellation France Victimes, l'IFJR, qui ont réalisé le film qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, il y a un homme qui dans le combat m'a vraiment intéressé, qui s'appelle Stéphane Jacot. On le connaissait. Bien. Stéphane Jacot, en fait, c'est un homme qui, en 2001, se retrouve orphelin. Et il est adopté par une famille. Et en 2004, sa mère adoptive est assassinée. Et là, il se dit qu'il a besoin de comprendre les motivations qui ont conduit à cet assassinat. Il se sent
Il semble qu'il serait apaisé s'il pouvait entrer en communication avec l'agresseur de sa mère adoptive. Et il a été particulièrement sensible à votre démarche. Mm-hmm. Et donc, il s'est battu pour que cette justice restaurative rentre dans la loi, justement. Et Marie-Cécile et Jean-Paul, ça vous fait quoi de savoir que finalement, vous avez vécu ce drame personnel, vous avez tout fait pour donner du sens à tout ça, et qu'il y a cet homme, finalement, qui était inspiré par vous, mm-hmm. qui fait évoluer les choses dans ce pays? Il est venu nous rencontrer. Donc à Charleville, et donc nous sommes membres fondateurs de son association, voilà. Mm-hmm. l'ANJR. Voilà, mm-hmm. tout à fait. Mais le fait d'être inspirant, ça a du sens Oui, bon, on n'a pas forcément pris la dimension. C'était pas le but recherché, oui. quoi, mm-hmm. mais on suit les affaires de très près quand même. Est-ce qu'on peut mesurer les résultats déjà, même si c'est récent? C'est très récent, c'est assez balbutiant en France. J'ai pu contacter par exemple Av Honor, l'association qui est une association d'avocats honoraires qui est à Lyon. Et là, ce sont des avocats honoraires qui sont à la retraite et qui s'occupent de ça sur la région lyonnaise. Et la personne qui s'en occupe m'a dit depuis un an que ça existe. Nous, on organise, il m'a dit, des rencontres pré-sententielles, c'est-à-dire avant procès. Quand le juge le décide, quand les parties, bien sûr, sont d'accord. Et il disait, ce monsieur, sur la douzaine de rencontres qu'ils ont pu organiser, eh bien, ça a vraiment pu apaiser les débats après, pendant les audiences. Mmh. Et il me disait qu'une fois sur quatre, avant le procès, les gens se serrent la main, physiquement, et se souhaitent bonne chance pour leur vie future. Donc il y a des résultats qui sont quand même assez intéressants. Visible, ça interroge. Et au Canada, en Afrique du Sud et en Belgique, où ce type de justice existe depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai contacté l'association Médiante, qui est la seule habilitée en Belgique à s'occuper de ce genre de rencontres. Ils ont tous les ans plus de 1500 demandes de rencontres, et dans les deux tiers des cas, ça débouche sur une issue positive. Nous, on a eu des demandes, on a correspondu avec des personnes qui étaient incarcérées D'accord. dans le Sud, mm-hmm. qui avait vu un article dans la presse, donc qui nous avait joint par l'intermédiaire de la presse. De l'aumônerie. Et ils avaient créé une association pour justement parler du pardon. D'accord. Donc ils voulaient que, voilà, on a participé avec mm-hmm. eux, on s'est écrit, mm-hmm. hein, jusqu'à temps que, bon, voilà, mm-hmm. après ils ont évolué dans leur... Et c'était intéressant parce que, bon, eux aussi nous ont fait découvrir... comment eux, ils vivaient cette demande, quoi. Parce mmh, qu'ils mmh. avaient besoin. Mmh. Ils avaient besoin de ce pardon ouais. pour pouvoir reconstruire une vie, quoi. C'est ça, c'est qu'on a parlé, effectivement, depuis tout à l'heure de votre point de vue, du point de vue de la victime. Est-ce que ce pardon aide à vivre? Et puis finalement, il y a les agresseurs qui parfois attendent ce pardon, c'est vrai. Que... Tout le monde a besoin de se reconstruire dans cette histoire. Tout à fait. C'est ça. Et puis c'est un bienfait, moi je pense aussi, pour la société. C'est-à-dire qu'elle a envie de que la récidive ne se reproduise pas. Je ne sais pas comment dire, je le dis mal parce que ce n'est pas des termes que je connais, mais je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, c'est, je pense, un bienfait aussi pour la société. Alors sur le site de Mille et une vies, je vous mettrai toutes les coordonnées de toutes ces associations. Il y a aussi le bouquin de Stéphane Jacquot, Prison, le choix de la raison, qui décrit très bien et dans lequel on peut retrouver aussi la lettre que vous avez pu écrire. Aux agresseurs de votre fils François. Voilà. Alors, merci, Luc. Émilie, on va parler de pardon, presque d'un pardon historique. C'est ça. Alors, ça s'est passé aux États-Unis il y a quelques mois, en décembre dernier. C'est un acte historique. Eh bien, des anciens combattants américains ont demandé pardon à des Indiens, Sioux, dans la réserve de Standing Rock. Et c'est un acte historique, puisque... Donc, ce qu'on appelle les vétérans, c'est ça? Les vétérans, exactement, les anciens combattants américains. Et c'est un acte historique parce que depuis la découverte de l'Amérique en 1492, ces populations qui ont été maltraitées, privées de leurs terres, confinées dans des réserves depuis le 19e siècle, eh bien, elles n'ont jamais eu de marque de respect, de pardon. Voilà, alors... C'est historique. Je ne vais pas vous développer davantage l'histoire. Je vais surtout vous montrer des images de cette cérémonie de rédemption. Vous allez voir, c'est poignant. Nous sommes venus. Nous vous avons combattu. Nous avons pris vos terres. Nous avons signé des traités que nous avons rompus. Nous avons volé les minéraux de vos collines sacrées. Nous avons sculpté les visages de nos présidents sur vos montagnes sacrées. Nous avons pris toujours plus de terres. Et puis nous avons pris vos enfants. Nous avons essayé de façonner votre dialecte. Nous avons essayé de supprimer la langue que Dieu vous a donnée. Nous ne vous avons pas respectés.
Nous avons pollué votre terre. Nous vous avons fait mal à bien des égards. Mais nous sommes venus vous dire ô combien nous étions désolés. Nous sommes à votre service et nous implorons votre pardon. Laissez-moi vous dire pourquoi nous acceptons de vous pardonner pour la paix dans le monde. Nous sommes la nation souveraine des Sioux Lakota. Nous étions une nation et nous sommes toujours une nation. Les terres ne nous appartiennent pas, nous appartenons à la terre. Alors, une autre dimension, face à face entre des agresseurs et des victimes, votre ressenti ? C'est bien que ça arrive. C'est peut-être un peu tard, mais voilà, qu'il y ait cette reconnaissance du mal qui a été fait, oui. Et on entend des discours différents quand on entend la campagne électorale, de gens qui disent « j'en ai marre de voir des gens qui s'excusent ». On entend ça tout le temps, quoi. Et je me dis « c'est important ». C'est important. De reconnaître ses erreurs. De reconnaître ses erreurs pour avancer, parce que sinon on n'avance pas. Les barrières sont entre les gens et puis on n'avance plus, quoi. Mmh. Et voilà, moi ça me fait penser à ça, je pense que c'est important. Vincent, votre sentiment quand vous regardez ça ? Bah, surtout, je me dis qu'il y a de l'espoir. Mmh. Voilà, parce que nous, on a été confrontés au pardon dans de la sphère particulière et ça ne va pas changer la face du monde qu'on pardonne ou pas. On va se sentir mieux ou pas. Mais c'est vrai que là, on est face à des pardons qui sont historiques, parce qu'ils peuvent changer la relation des peuples entre eux. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a quand même, certains discours qui sont difficilement audibles. Mmh. Je pense simplement que les nations, tout comme les êtres, doivent savoir reconnaître leurs erreurs pour essayer de renouer le dialogue. Les circonstances de cette vidéo Alors en fait, tout a commencé en avril 2016. Le gouvernement américain avait décidé de construire un oléoduc. Alors donc un oléoduc, c'est un long tuyau par lequel passe le pétrole, donc long de 2000 km. Et cet oléoduc était censé passer en fait sous la rivière Missouri, qui est une rivière qui passe dans les terres de ces réserves indiennes qui sont très nombreuses aux États-Unis. Et en fait, il y a eu une mobilisation pour que ce serpent noir ne passe pas sur ces terres, puisqu'elle menace l'environnement direct de ces populations qui s'approvisionnent en eau de source potable via la rivière Missouri. Et puis surtout, ce serpent noir, c'est comme ça qu'ils l'appellent, passe en dessous de leur terre sacrée où sont enterrés leurs ancêtres. Donc il y a eu une levée de boucliers, une mobilisation donc, de ces 300 réserves indiennes et un soutien aussi de la communauté internationale avec des personnalités comme Leonardo DiCaprio qui se sont mobilisés pour s'opposer à ce projet. Et cette mobilisation donc, a porté ses fruits ? Cette manifestation elle a porté ses fruits puisque l'administration Obama, en décembre dernier, a décidé de suspendre la construction de cet oléoduc. Et le lendemain, c'est là qu'a été organisée cette cérémonie de rédemption, donc où on voit le petit-fils d'un ancien combattant demander pardon à un des leaders amérindiens, avec des mots quand même qui sont assez forts, parce que là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on entend beaucoup de pardon, mais après il y a manière et manière de demander pardon, et là on sent quand même que... Il lit pas un texte en plus. Il se passe quelque chose quand même de fort, qu'il y a une vraie conscience, et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la vidéo a connu un tel buzz sur Internet, puisque plus de 15 millions de personnes ont regardé cette vidéo. Voilà, et il y a un moment quand même où ça vous touche, et où ça fait écho quand même dans votre vie, où vous vous dites, ok, il y a des moments où il faut savoir pardonner, il faut aller de l'avant pour avancer. Mais ce à quoi ça nous renvoie aussi bien votre histoire que la vôtre, c'est que ça nous apprend à essayer de vivre tous ensemble. C'est vrai.
là, avec les différences culturelles, avec les différents intérêts de chacun, ça nous renvoie. On est sur la planète, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on y arrive, quoi. C'est un vrai défi. Quoi. Et donc, l'administration Obama donc, suit son projet, sauf qu'aujourd'hui, c'est Donald Trump. Oui, j'avais envie de poser. Et lui, il a pris une autre décision. Alors, Donald Trump, malheureusement, a pris une autre décision. Le 24 janvier dernier, il a publié un décret. Vous savez qu'il est quand même très pro-pétrole. Hein. Il y a quelques amis dans le pétrole. C'est sa quête ultime, notamment au gouvernement. Et voilà, donc le projet a été accéléré à nouveau. Il est en construction à nouveau. À nouveau, il y a eu une levée de boucliers. À nouveau, il y a eu une mobilisation. Alors cette fois-ci, qui dépasse carrément les frontières américaines, puisque en février dernier, le pape François s'est exprimé à ce sujet, a reçu la délégation de représentants amérindiens à Rome et a publiquement condamné l'action américaine. Pour l'instant, toujours pas de changement. Et puis, les citoyens américains aussi sont montés au créneau, et c'est ça qui est intéressant. On a organisé une marche pour protester en mars dernier. Donc on les voit là, ils vont cheminer jusqu'à Washington en criant voilà, l'eau c'est la vie, puisqu'évidemment, encore une fois, c'est une énorme menace environnementale qui plane sur ces territoires et sur cette population. Mmh. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, c'est statu quo. On croise les doigts pour que la mobilisation soit entendue. Mais on vous tiendra au courant parce que pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Et c'est plein de symboles, effectivement, sur les forces, finalement, qui s'opposent hein, sur cette terre. De merci. Progrès et de... Merci, Luc. Merci, Émilie. Je voudrais vous remercier, Vincent, d'avoir raconté votre histoire. Merci à vous, de surtout. Continuer... j'ai envie de dire ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous défendez des victimes, donc c'est fascinant d'imaginer... J'essaie de faire que mon expérience, encore une fois, puisse aider les autres, donc j'essaye d'être utile. Et comme je pense qu'il faut savoir tirer des leçons de tout, y compris du plus mauvais, d'aider les gens et de les mettre en garde. Merci pour ce message. Et Marie-Cécile et Jean-Paul, merci. Sincèrement, de nous raconter cette histoire. Votre histoire, on sent bien ce que vous voulez nous faire passer comme message. Je pense que le message est entendu. Et j'espère que vous vous sentez compris. Oui, tout à fait. Merci à vous. Ma foi, le combat continue, comme on dit. Je veux dire, voilà, c'est à travers les faits de tous les jours que c'est mis aussi en application, quoi, voilà. Bon, en tout cas, merci de nous raconter, même si vous n'aimez pas l'idée d'être exemplaire, en tout cas, votre démarche si particulière, qui est inspirante. Et puis, et merci à vous, Pascal, et à vous tous de nous dire que finalement, le pardon, c'est difficile, et qu'on ne doit pas, en plus, avoir une double peine, donc se sentir coupable de ne pas arriver à pardonner quand on est victime. C'est un long chemin, on l'a compris, c'est très ambivalent. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention, votre écoute. J'espère que cette émission vous aura apporté beaucoup de choses. On se retrouve très, très bientôt sur France 2.